Et à toutes, je m'appelle Abbas Eladani, j'ai 17 ans, je vis en France depuis 4 ans et je suis au lycée Bellevue et je suis également élu au Conseil national avec l'UNICEF France. Si je suis ici aujourd'hui, juste pour vous parler, pourquoi je suis parti de l'Irak, mon pays d'origine. Donc, en 2006, après l'intervention des Américains en Irak, une guerre civile qui se déclenche, qui sépare la population en deux parties, les sunnites et les chiites. Pour cela, après plusieurs menaces qu'on a eues en 2006, mes parents décident de partir en Syrie, après la mort de ces deux cousins. Donc on est parti en Syrie, on est resté 2 ans là-bas, puis on était obligé de retourner en Irak. On a vécu sous des fausses identités, donc on a changé les noms et prénoms, jusqu'à 2015, où certaines personnes des milices, qui sont des milices non officielles, ne sont pas reconnues par l'État, reconnu notre vraie identité, donc les menaces retournent. Et après plusieurs menaces à ma famille et mes parents, mon père a décidé donc de partir là. Puisque la mer elle était dangereuse et le temps n'était pas très bien. On est resté 2 jours à Izmir, puis le troisième jour, c'était le jour de partir. Et mon père, il savait bien qu'il fallait tenter notre chance parce que la mort, il savait que qui va y arriver, que ce soit en Irak ou pendant le trajet de la mer. Oh.
sur un bateau gonflable avec 63 personnes dedans. Uniquement 4 bateaux sur 9 qui sont bien arrivés en Grèce. Les 5 autres bateaux, soit ils se sont noyés ou ils sont rattrapés par les polices nationales. Nous avons dû attendre la nuit sur l'île, et puis on a pris un autre bateau pour aller à Athènes. Cette traversée va durer 16 heures en bateau, puis on arrive à Athènes. Pour aller jusqu'à la frontière avec la République macédoine. D'ici, nous avons dû prendre un train de la frontière de la Macédoine jusqu'à la frontière avec la Serbie. Donc, la République macédoine, je n'ai rien vu à part le train qui a duré pendant 9 heures. Thank you.
marché 40 km pour traverser une montagne qui coupait la frontière entre la République macédoine et la Serbie. Puis à notre arrivée, nous avons dû prendre un taxi puisque la Serbie, c'était l'un des pays qui obligeait les réfugiés à donner leurs empreintes. Pour cela, mon père n'a pas voulu parce que par rapport à la demande d'asile dans un des pays de l'Europe, on ne pouvait pas. On était obligé de rester donc en Serbie. Pour cela, on a pris un taxi, un passeur pour nous faire traverser donc la Serbie. Donc après un trajet de 9 heures, on est arrivé à la frontière avec la Croatie. La Croatie, c'était le pays le plus difficile parce qu'on a dû attendre 3 jours dans la rue sans dormir ni manger. On devait juste attendre un train pour nous faire traverser le pays. Après ces 3 jours, on a pris le train et une traversée pour l'Hongrie. Avec armes ou sans armes, de toute façon. Donc on était enfermé dans un terrain de foot pendant 6 heures et pour attendre juste un train qui arrive. Et après l'arrivée de train, on a dû prendre le train, encore pour 6 heures pour arriver jusqu'en Autriche. On est arrivé en Autriche la nuit. Donc on a dû attendre la nuit dans la rue. Puis le lendemain, on a pris un train pour aller jusqu'en Allemagne.
dans un camp de réfugiés. On est resté pendant 4 jours. Et là, mon père et moi, on devait choisir, on devait décider en quel pays on voulait venir, on voulait vraiment trouver notre future vie. Donc on a choisi la France pour 2 raisons. La première, c'est parce que on a de la famille ici, du coup on connaît des personnes, on ne se sent pas forcément étranger. Et pour la deuxième raison, c'est juste parce que c'était un des pays que j'aurais voulu visiter et même vivre. Après notre arrivée en France, du coup, avec mon père, ma mère nous a suivis avec mes 2 sœurs qui a pris le même trajet 1 mois après nous. Ils ont commencé à demander l'asile, donc faire tous les papiers nécessaires pour les séjours réguliers en France. Donc on est reconnu en ce moment en tant que réfugié politique en France. Et voilà, on a trouvé notre, on peut dire, nouvelle vie en France et je suis très content d'être ici et je suis vraiment très content et je fais ce que j'ai fait comme concert, comme des spectacles, des interventions, des conférences avec l'UNICEF France. Je suis très content et voilà, c'était juste une histoire de voilà. D'une personne qui a de la volonté, mais aussi de l'espoir.